La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maonin Justin Dogbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maonin Justin Dogbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette septième saison, poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon précédent message, vous avez découvert les arguments développés par Jean Meslier pour prouver les erreurs rattachées à la foi religieuse. Vous êtes, je l'espère, dans la recherche pour apporter vos réponses à la question de savoir qui peut, mieux que Saint Jérôme, affirmer que les textes originaux du christianisme ont été corrompus et falsifiés. Dans l'extrait dont j'ai restitué la lecture, vous avez noté qu'il est resté dans la logique, je parle de Jean Meslier, qu'il est resté dans la logique de démontrer que les miracles et les prophéties ne peuvent servir de preuve et de témoignage assuré de la vérité, d'autant qu'il en existe dans presque toutes les religions à livre. Il regrette que l'on n'ait pas érigé en l'honneur de Jésus-Christ des statues comme le recommandait la tradition en faveur des dieux. Il laisse percevoir ce dernier comme un homme de néant et un fanatique. Il a fait recours à certains personnages, dont, dans ce cas d'espèce, Joseph l'historien, qui vraisemblablement n'ajoutait pas beaucoup de foi au plus grand miracle rapporté en faveur de la nation et de la religion de Jésus-Christ, en déclarant qu'il laisse à chacun la liberté d'en croire ce qu'il voudra. Jean Meslier trouve qu'il n'y a pas meilleure manière de diminuer et de rendre suspecte la créance, c'est-à-dire la foi religieuse ou simplement la croyance. Avant de revenir plus tard sur les autres personnages dont s'est servi Jean Meslier pour se défendre, allons à la rencontre de ce Joseph l'historien, peu connu des Christicoles, pour découvrir sa vie et partiellement son œuvre. Joseph, je veux dire Joseph fils, est né en l'an 37 à Jérusalem et mort à Rome vers la fin du premier siècle de notre ère. Il est un historiographe romain, juif, chargé officiellement d'écrire l'histoire de son temps. Son œuvre, quoique controversée, demeure l'une des sources principales de l'histoire des Judéens, même si elle n'est pas sans poser de problèmes aux historiens actuels. Cette œuvre concerne les antiquités judaïques, les événements et conflits entre Rome et Jérusalem. Flavius Josephus, de son vrai nom, a été orthographié Flavius Joseph par Jean Alduin, mort en 1729,
pour le distinguer de Saint-Joseph. La vie de Flavius Joseph est bien connue par les détails qu'il en a donnés lui-même dans son autobiographie publiée dans les premières années du IIe siècle pour répondre aux accusations d'un certain Juste de Tibériade, auteur d'un ouvrage intitulé « Histoire de la guerre juive », publié vers l'an 93-94, et dont il n'aura jamais cité le moindre extrait, ouvrage inconnu des auteurs païens et chrétiens qui, le mentionnant tout de même, ne se réfère qu'à ce que disait Joseph. Joseph qui s'écrit J-O-S-E, accent grave, P-H-E. Joseph a reçu une éducation rabbinique qui était de mise dans les familles aisées. Il a très bonne opinion de ses capacités intellectuelles, faisant état de sa réputation de mémoire et d'intelligence supérieure. Il raconte que vers sa 14e année, là je le cite, les grands prêtres et les notables de la cité venaient le voir pour apprendre de lui tel ou tel point particulier de la loi. Fin de citation. Joseph indique aussi que lorsqu'il eut 13 ans, ayant le désir d'apprendre les diverses opinions des pharisiens, des sadducéens et des esséniens, qui d'après lui formaient l'essentiel des sectes juives, il, et ça je le cite, s'instruisit de toutes et en fit l'épreuve avec beaucoup de travail et d'austérité, fin de citation, afin que les connaissant toutes, il puisse s'attacher à celle qui lui paraîtrait la meilleure. Entre 63 et 64, il est envoyé à Rome et négocie avec succès auprès de Poppée, l'épouse de l'empereur Néron, la libération des prêtres mis en accusation et emprisonné par le procureur de Judée, Antonius Félix. Revenu à Jérusalem après le début des hostilités en l'an 66, il est nommé commandant militaire de Galilée par les autorités du début de la révolte contre les Romains. Il prend une part active à la première guerre judéo-romaine, au cours de laquelle son commandement a du mal à s'imposer en concurrence avec d'autres responsables régionaux de la révolte tels que Jean de Giscala et Juste de Tibériade. Ceux-ci, dont je parle de ces deux derniers, ainsi que Jésus, fils de Saphias, le soupçonnent de jouer double jeu et l'accusent de trahison. Ils parvinrent à obtenir sa destitution, mais Joseph, en faisant jouer d'autres influences à Jérusalem, se maintient quand même à son poste. La conservation et la transmission de toute son œuvre, dont je veux dire de l'œuvre de Flavius Joseph, est redevable à la tradition chrétienne, qui y a vu le complément indispensable de ses écritures saintes, et plus particulièrement du Nouveau Testament. S'il n'avait tenu qu'à la tradition juive, il est probable que son œuvre ne serait jamais parvenue à la postérité. En effet, Joseph n'est cité dans la littérature juive, peut-être à une exception près, qu'à partir du Xe siècle. Au contraire, les chrétiens de ce qui allait devenir la grande église semble l'avoir tout de suite adopté, et les écrivains chrétiens l'ont très tôt utilisé et cité, comme en témoigne Origène qui est décédé vers 253, comme en témoigne aussi Eusèbe de Césarée, Jérôme de Stridon. C'est pour des raisons théologiques que l'œuvre de Joseph, apparemment peu lue
par les Grecs et dédaigné par les Juifs, a été recueilli par les chrétiens qui en ont assuré la transmission et la conservation pour la postérité. Selon une certaine théologie chrétienne de l'histoire, ils ont interprété la chute de Jérusalem, relatée en détail dans la guerre des Juifs, comme la punition du peuple juif pour ses méfaits allégués à l'égard de Jésus. De plus, les écrits de Joseph sont proches de ceux du Nouveau Testament et en éclairent l'arrière-plan historique et religieux. L'œuvre de Joseph a même été considérée comme étant le cinquième évangile, au moins jusqu'à la contre-réforme, dans le courant du XVIe siècle. L'Occident latin l'a lu et traité presque à l'égal d'un texte sacré. Joseph, comme vous le constatez, est l'un des rares auteurs antiques dont la plupart des œuvres ont été conservées. On ne sait si le rapport préliminaire en araméen sur lequel se base sa Vita a existé. Une hypothèse qui reste difficile à confirmer. De même, nous ne savons pas s'il a écrit son traité en 4 livres sur la doctrine judaïque qu'il annonce à la fin des antiquités judaïques. C'est à la tradition chrétienne qui a détourné ses écrits à son profit que l'on doit la conservation et la transmission de l'œuvre de Flavius Joseph. S'il n'avait tenu qu'à la tradition juive, il est probable que son œuvre ne serait jamais parvenue à la postérité. Selon Simon-Claude Mémouni, ça je vais le citer, l'œuvre de Joseph, avant d'être récupérée par les chrétiens, a sans doute été portée par des judéens ne relevant nullement du mouvement rabbinique, mais plutôt du judaïsme synagogal de culture et de langue grecque. Ces circonstances rendent suspecte, même a priori, la présentation que Joseph nous propose de faits auxquels il a été si étroitement mêlé. Historien officiel des Flaviens, la crédibilité de Flavius Joseph a souvent été mise en cause. Ses travaux sont souvent considérés comme de la propagande romaine ou déconsidérés comme une apologie de ses propres actions visant à réhabiliter sa réputation. Selon Marcel Simon, son récit abonde, et ça je cite Marcel Simon, son récit abonde en contradiction, en ambiguïté, voire, dans la mesure où nous sommes en mesure de l'établir en erreur, publié avec l'imprimature et sur l'ordre de Titus, la guerre des Juifs est un écrit de propagande officielle qui magnifie, sans le moindre mot de critique, la puissance romaine et qu'anime une aversion foncière pour le nationalisme exaspéré des zélotes rendus responsables de la défaite des Juifs et de la destruction du temple de Jérusalem. Après la mort de Domitien, nous sommes en l'an 96, et d'Agrippa II, Juste de Tibériade a publié un livre qui visiblement contestait fortement les affirmations de Joseph sur bien des points. Toutefois, ce livre semble avoir presque immédiatement disparu et les attaques de Joseph à son encontre ont probablement contribué à cette disparition. Son autobiographie est d'ailleurs écrite pour répliquer aux contestations de Juste de Tibériade et d'après
Eusèbe de Césarée. Joseph y écrit d'ailleurs, je le cite, « L'empereur Titus a jugé que la mémoire de ces faits ne devait être transmise aux hommes que par ses seuls récits. » Ce qui explique probablement la disparition de ceux de juste. Fin de citation. Analysant précisément ce que écrit Joseph dans son autobiographie, Shai Cohen constate qu'il se permet d'ignorer ce que disait Justus au sujet des sièges et Jotapa et de Jérusalem, probablement parce que les principales charges étaient ailleurs et concernaient d'autres événements après son arrivée en Galilée. Selon Marcel Simon, ça je cite, il est d'autant plus difficile de formuler un jugement équitable sur Joseph que tout ce que nous savons de lui vient de sa propre plume. Fin de citation. Aux origines donc du christianisme, une œuvre singulière a fait date, celle d'Origène, l'inventeur de l'exégèse, soit l'étude critique des textes. Figure dominante de la théologie chrétienne avec saint Augustin, Origène fut aussi de son vivant et ultérieurement l'un des théologiens qui suscita les sentiments les plus vifs et les plus opposés. Ce que je dis là est du théologien Éric Junod, qui a co-dirigé la récente anthologie des théologiens de l'Antiquité, paru aux éditions du Cerf. Ce professeur honoraire de la faculté de théologie et de sciences des religions nous amène alors à la rencontre de ce personnage haut en couleur qui n'hésita pas à se mutiler pour s'assurer de sa bonne conduite. Origène est le premier théologien qui va commenter l'écriture et il ne va pas commenter seulement un ou deux livres mais presque tous. Il y consacre sa vie, pose immédiatement Éric Junod. Même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec lui, les auteurs qui viennent après, lui, seront complètement déterminés par son interprétation. Ce chrétien, né vraisemblablement à Alexandrie vers 185, a donc véritablement ouvert des voies que les autres exploitent, sans même parfois être conscients qu'ils lui sont redevables. Et ce, bien qu'ils ne le subissent qu'un quart de son œuvre immense. Origène a écrit près de 250 tomes de commentaires et au moins 500 prédications. La disparition majeure de son œuvre tient au fait que, trois siècles après sa mort, il sera condamné dans un concile byzantin et considéré comme hérétique. En effet, son œuvre est condamnée dès l'an 400 par l'évêque Théophile d'Alexandrie, puis surtout au VIe siècle par l'empereur Justinien. Le motif, la doctrine évolue constamment dans l'Église. C'était tout. Trois siècles plus tard, les paramètres ne sont plus les mêmes. Ce qui pouvait paraître audacieux entre 220 et 250 n'est souvent plus recevable au VIe siècle. Et de citer une date particulièrement importante dans la théologie chrétienne, celle du Concile de Nicée en 325. Je cite. Les théologiens antérieurs à cette époque vont alors tous être jugés à l'aune des standards établis à Nicée. Fin de citation. Mais surtout, et là je cite encore, on reprochera à Origène des doctrines qui sont en grande partie développées par d'autres, notamment à l'intérieur des cercles monastiques. Ce sont donc davantage ces doctrines dérivés d'Origène
parfois même contraires à sa pensée, qui seront désapprouvés. Origène sera finalement condamné sans qu'il y ait une confrontation directe avec ses œuvres. Cela selon Éric Gilod, qui signale des problèmes d'interprétation liés à la langue. Et dit ceci, l'œuvre d'Origène en langue originale, soit le grec, a largement disparu. Heureusement, il avait été traduit en latin, notamment par Saint Jérôme, qui l'appréciait alors énormément avant de rejoindre la cause de l'anti-originisme en 400. Mais l'œuvre d'Origène étant très complexe, les traductions se révèlent parfois assez imprécises. Voilà ce que je peux dire de Joseph et d'Origène. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser, ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Écartez les oui-dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité. Assurez, à travers vos comités de défense de la vie, la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, est la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Découvrir la vie et l'œuvre de ceux et celles qui ont été les premiers à abjurer les idées religieuses et déchirer le voile de la superstition. Concentrez votre attention sur ce qui pourrait pousser les hommes d'hier et ceux d'aujourd'hui à établir leur religion. Relevez sur la base de vos expériences propres les erreurs auxquelles vous conduit votre foi religieuse. Évitez des envolées lyriques sur l'authenticité ou non des textes fondateurs du christianisme au regard des désaccords très profonds, désaccords de départ. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maolin Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maolin Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique,
seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.